Elle a brisé le silence pour pouvoir rendre hommage au père de son fils. Gaëlle Pietri a dévoilé un ouvrage dans lequel elle revient sur l'accident de Gaspard Ulliel, son ancien compagnon et papa d'Orso, son enfant. Pour nos confrères de Libération, l'ancienne belle-mère de Gaspard Ulliel s'est elle aussi confiée sur ce jour dramatique mais aussi sur ses relations avec l'ex-compagne de son fils. Christine Ulliel met en avant sa sensibilité, son intégrité et sa fiabilité. Pour autant, la mère de l'acteur estime que son ex-compagne est un point trop intransigeante. Au début, elle pouvait être cassante, balancer des vérités de front, lâche la grand-mère d'Orso. Christine Ulliel poursuit, elle avait un côté premier degré dans ses jugements. Elle s'est beaucoup adoucie, a gagné en empathie. Pour la mère de Gaspard Ulliel, Gaëlle Pietri est presque la fille que je n'aille pas eue. Une femme qui a été brisée tout comme son ex-belle-fille, qui doit désormais vivre sans le père de son fils. L'ancien mannequin a exprimé à plusieurs reprises la façon dont elle a ressenti que Gaspard Ulliel avait eu un accident. Je me souviens qu'il faisait très beau. Je déjeunais avec une amie. Je récupérais mon fils à l'école très tôt. Et à 16h quand je l'ai récupéré à l'école, nous sommes rentrés à la maison et je me suis effondré dans la salle de bain, s'est-elle remémoré. Le terrible ressenti de Gaëlle Pietri, elle a eu un terrible pressentiment. Lorsque j'ai vu l'ami de Gaspard qui skiait avec lui le jour de l'accident, on s'est rendu compte que le moment où je m'effondre dans la salle de bain coïncidait avec le moment où il avait été percuté. Avec le recul, je me suis dit que c'était un signe. Je n'avais jamais ressenti une douleur comme ça. J'avais l'impression que j'accouchais et que par-dessus on me transperçait de coups de couteau. Et finalement je me disais que c'était certainement parce que ce qui se passait de l'autre côté avec Gaspard, ce qui nous reliait et qui nous reliera à tout jamais, si est-il notre enfant, que j'ai porté dans mon ventre, a-t-elle confié.